Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous faire voir, comme je vous avais parlé dans ma vidéo bal de mon anniversaire, cet album. Et je vais vous montrer comment je l'ai décoré un petit peu, notamment que c'était pour des autographes. Donc il est quand même bien volumineux maintenant. Il y a un bijou d'album que je vais vous détailler. Donc c'est de la tuine de chez Action, hein, ce que j'ai divisé en les fils. Donc là j'ai mis une petite tour Eiffel avec un petit cœur. Hop. Sur une autre, un autre fil, je fais attention parce que s'il casse je vais avoir un. J'ai mis une clé en forme de Mickey que j'ai eu sur AliExpress avec des perles de chez Action, et ceci venait de chez Action aussi il y a un petit temps. Ensuite j'ai mis le mot Disney avec des perles que, à mon avis, viennent de chez Action aussi. Un petit cœur, une breloque petit cœur. Ici, un petit hibou, une clochette et une deuxième petite clé dans les tons bronze. Voilà ce que j'ai fait. Ah, et la dernière, des petites perles bleues en dégradé, hein, avec une étoile. Voilà. Donc ça, c'est mon bijou d'album que j'ai attaché. Ensuite, en matériel, j'ai récupéré. J'avais ça dans mes tiroirs. Des stickers Mickey. Oups. Donc, j'en ai pris quelques-uns de ces boîtes. Comme j'en avais des, c'était des doubles à chaque fois. Comme ça, au moins, je suis sûre de revoir les mêmes stickers pour faire l'album. Ensuite, j'ai pris des planches de stickers Mickey. Je vais vous montrer comment ils sont. Hein. Mickey et Princesse. Des demi-perles comme ça qui viennent dans le rayon enfant. Que j'ai mis dans cette pochette là. Voilà. Et ensuite j'ai pris des planches comme ceci en. Allez, normalement vous l'avez vu dans une vidéo haul. Comme ceci. Des comme ceci qui bougent. Bah ça j'en ai qu'un exemplaire. Donc je vais mettre autre chose hein, pour elle. Donc. Je sais pas du tout quoi. Peut-être Ariel. Non, Ariel, je vais la garder pour autre chose. Cendrillon. Belle, peut-être la Belle au bois dormant. Ouais. Donc, on va voir. Et ensuite, deux planches de 3D, comme ceci. Donc, j'ai enlevé ce que moi, j'ai utilisé. Oui, si je vous montre à l'envers. Donc, vous voyez, j'en ai utilisé pas beaucoup parce que ça fait déjà un volume. Donc, et j'avais pas envie d'en mettre de trop parce que c'est quand même assez épais, hein, sans rien dire. Donc, voilà. Et j'ai pris des petits cœurs comme ceci pour mettre sur l'album. Et je dois encore en mettre dans celui-là parce que je n'ai pas mis. J'en ai pas mis. Donc, voilà. Je vais pas faire l'album avec vous, hein, sinon là. On est parti pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Hop. Donc j'enlève les petites perles qui collent sur ma plaque. Ça, je les range. Voilà. Celle-ci. Et je vais mettre les trois petites boîtes dedans. Comme ça, je sais où ils sont. Donc, hop là. Ils se ferment par un morceau de scotch. Mais bon, ça, c'est juste pour la présentation. Attention quand je vais l'offrir à la personne. Bon là c'est le mien. Hein. Et c'est parce que sinon ça fait trop d'espace. Hein. Donc c'est avec ça que je vais en remettre un parce qu'à mon avis il ne collera plus. Non parce qu'il y a plein de traces de doigts. Voilà. Ici on peut mettre un stylo si on veut. Donc moi j'ai pas fait. J'ai mis un petit nœud. Donc je fais attention de comment il s'ouvre. Hein. Parce que dès la première page, normalement, on voit ma tête. Ah non. Donc, la première page, je vais essayer de vous montrer comme ceci. Voilà. J'ai mis des petites demi-perles. Avec un... Bah oui, mais si je ne vous montre pas. Un embellissement comme ceci. J'essaie de diminuer la luminosité pour que ça reflète beaucoup moins. Et si j'allume celle-là et que j'éteins celle-là. Ouais, bah, j'ai pire.
donc ici, donc des demi-perles là et là. Ensuite, voilà, j'ai mis sur cette page là, vu que normalement dans l'album en fait on a des inserts comme ça, mais paysage. Et moi, sachant que je mets des photos aussi portraits, donc j'ai dû en décoller certains. Ici, j'ai mis un petit Mickey en stickers qui viennent des boîtes. Ici, non. Sachant que je vais mettre un petit cœur. Bon, en même temps, je vais le finir avec vous. Hein. Je vais mettre un petit cœur. Oui, oui, oui. J'ai envie de mettre le petit cœur. Ici. Voilà. Donc, je l'ai mis juste ici, le petit cœur. Ensuite, je tourne. Je regarde. Oh, c'est bon. Ensuite, ici, j'ai mis la photo en mode portrait. Donc, j'ai décollé. Ici, j'ai mis un Mickey, mais où ça a été enlevé, hein, le double face. Une toute petite photo, ici. Ici, c'est les petits personnages qui sont faits en acier ou en aluminium. Voilà. La Mickey qui nous faisait un bisou. J'adorais. Je vais le voir comme ça. Ici, le dragon du château de la Belle au Bois Dormant. Donc, j'ai mis le petit personnage de la Belle au Bois Dormant. Ici, j'ai mis que des petites perles là. En fait, à chaque fois, c'est une page sur deux. Hein. Ici, vous allez, voilà. Bon, là, c'est de loin, hein, donc je vous montre pas trop de près. J'ai mis un sticker, ce fluffy, un petit peu comme ça. Et j'ai mis trois photos. Voilà. Désolée, hein, mais bon. J'ai pas. Ici, c'est pareil, sauf que là, j'ai mis un Mickey, en fait. Voilà. Je vous montre pas trop près parce que la personne est là. Je vais essayer de ne pas vous montrer sa tête, hein, parce qu'elle n'est peut-être pas d'accord d'être mise sur Facebook. Donc ici, petit oiseau. Ici, j'ai mis que un petit lien de paysage. Je vous laisse poser parce que sinon à chaque fois ça fait peu et ça fait du bruit avec. Je vais essayer de vous baisser déjà pour voir si ça marche. Donc vous allez avoir la tremblotte. Donc je vais le tenir en même temps. Oui, vous allez mieux voir. Hop. Hop. Il va falloir que je trouve une autre solution de comment vous montrer mes vidéos. Donc ici, c'est le. Voilà, c'est des photos. Hein. Ici, c'est le spectacle du Roi Lion. J'avais des stickers du Roi Lion qui venaient de chez Action. Hein. Mais je ne sais plus où je les ai mis. Voilà. Donc, bon, la suivante, je ne vous montre pas parce que ça ne sert à rien. Il n'y a pas beaucoup de... il y a une stickers. Mais voilà, c'est tout. La deuxième, je peux vous la montrer. Hop là. Donc, je pose ma main. Hop là. J'ai mis les petites fées parce que c'était la maison, le château de la Belle au Bois Dormant. Ici, c'est mini. Hein. Voilà. Là. Ensuite ici c'est toujours les petites sculptures en ici j'ai mis une petite un stickers qui bouge là, vous voyez, voilà. Je fais ça parce que voilà, hein. Ici je vais remettre un petit cœur, oui j'ai envie, donc je penche. Je le mets sur la photo. En quinconce. Hein. Hop là. Ici, toujours, hein, les fameux décos de Disney. Hein. Donc, j'ai fait comme ceci. Ici. Voilà. Ici, on a fait une photo. Alors, je ne vais pas vous montrer. Avec Olaf. Oui, oui. Et il nous a mis un petit peu de neige. C'est fictif. Hein. On ne l'a pas vu en vrai, mais
Voilà. Ici, un petit Mickey en qui bouge, hein. Enfin, qui est en en plastique là, qui vient de ces planches là. Hein. Voilà. Ici, c'est le studio. Donc, un petit Mickey avec ses petites lunettes. Regardez. Parce que là, ça va être compliqué. Voilà. Ici, on a eu la chance de faire la photo avec par le photographe et mis un décor comme ceci. Mini, machin, tout. Ici, le château de la Belle au bois dormant. Donc là, j'ai mis le petit Mickey. Ici, c'est Buzz l'éclair avec la personne en dessous. Parce qu'il est tellement grand qu'on peut. Voilà. Ensuite, oui, j'aurais dû mettre des post-it, mais bon. Là, ici, c'est voilà, une attraction, on s'en fout, hein, spécialement, Spider-Man. J'ai essayé de faire le truc des Marvel. Je les ai collés... je les ai collés toujours avec ma colle de chez Action, colle à bois. Parce que bah, ça se décolle, hein, le plastique. Ici, toujours Marvel. Là, c'était la parade de Disney. Donc, j'ai mis un petit Mickey. Ici. Là, la petite parade. Toujours. Là, c'est Mickey, 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 Mickey. On va remettre un petit cœur. Hop. De toute façon, j'en ai à revendre des petits cœurs. Donc, là, on va le mettre au milieu. Oups. Comme ça, hein. Ça colle, hein. Voilà. Ensuite, toujours la parade. Et à chaque fois, j'ai mis là un petit 3D en plastique. Hein. Je regarde avant de ne pas vous montrer. Ici, c'est que ça bouge. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Donc là, c'est la Belle. Ici, toujours la parade. À part là, c'était le bateau d'une attraction. Hein. Voilà. Ici, j'ai mis un petit en plastique. Mais il colle pas tip top, je trouve. Mais j'espère qu'il ne va pas trop se décoller. Mais bon, c'est déjà pas droit l'album. Ici, toujours la parade. Là, le magnifique vitraux du château. Là, j'ai mis des petits stickers sur Mickey. Et à chaque fois, j'enlève les petites pochettes qui sont sur le côté. Hop là. Ici, hop. Toujours la parade, je vais remettre un petit cœur. Oui, oui, j'ai envie de mettre un petit cœur. Donc, je vais le mettre ici. Je cherche, je cherche. Ici, il y avait un décor dans l'hôtel Marvel. J'ai dit à la personne, bah, mets-toi dedans. Bah, j'aurais dû en faire une aussi, mais bon, j'avais pas envie, en fait. Et on était fort fatigués. Parce que bah, on avait fait pas mal de pas aussi. Donc, j'ai fait la photo. Je l'ai mis là. J'ai mis Mickey Mouse. Là, c'est le spectacle de nuit du Walt Disney Studio. Et je l'ai mis en 3D parce qu'en fait, je me suis trompée. J'ai imprimé deux fois la même photo. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis deux fois. Donc, bah, j'ai détouré en fait la tour de la terreur. Et je l'ai mis sur du 3D. Comme ça, bah, ça fait en même temps une photo 3D. Je ne l'ai pas jetée. Je voulais détourer ça. Mais ça aurait été trop long. Et ça aurait fait trop. Que là, c'est vraiment que la tour de la terreur. Donc, ça fait super joli. Ici, toujours le spectacle du studio. Là, le vitraux de la Belle au bois dormant. Donc, j'ai mis la Belle au bois dormant. Ici, je vais remettre un petit cœur. Ouais. Je vais le mettre ici. Hop. Un petit cœur. Là, c'est le spectacle de Disney. Alors, pas le Disney World Studio. Hein. Là, c'est vraiment Disney. Ici, bon, on rentrait. On était dans le bus. Là, c'est une photo que... Les filles avec qui on a été, ils avaient pris, mais il y a un petit moment parce que maintenant il est en travaux. Donc il n'est plus si aussi illuminé. C'est bête. Mais bon.
Donc là, j'ai mis une mini, un petit Mickey, trois petits ballons en forme de Mickey. Et comme toujours, je vais mettre. Bon, on va le mettre ici. Un petit cœur. Voilà. Un petit cœur et encore un petit cœur. Avec mes bêtises, je vais vous montrer la photo. Là. Ici. Et ensuite, je regarde. Désolée, mais ça, c'était la vue de, du haut de la tour de la belle. Et là, c'est le château du spectacle. Donc, il est comme ça. Il est quand même bien fourni. Hein. On ne peut pas dire le contraire. Moi, là, je vais le serrer à max. Hein. Je vais vous montrer. Voilà. Je le serre. Hein. Je mets mon doigt. Je remets mon doigt. Tout seul, c'est plus compliqué. Hein. Mais on y arrive aussi. Hein. Voilà. Hop. Comme ça. Je reprends le cache hein, pour l'os. Désolé pour le petit bruit. Hein. Donc, je mets ici. Hein, je viens chercher un long ruban adhésif. Sans mettre trop. Ah, mince. Voilà, il a déjà craqué. Heureusement que je te le tenais. Là. Donc, je vais remettre mon petit scotch. Bon. Tu vas tenir, oui. Ici. Donc, je le fais monter là. Voilà. Normalement, il va pas, il va plus sauter. Et là, je vais pouvoir resserrer. Après, la personne, elle fera ce qu'elle veut. Hein. Bon, notamment, celui-là, c'est le mien. Mais je pense que je vais peut-être pas mettre de la ficelle pour elle. Je sais pas. Donc, au moins, il tient fermé. Et ça, en aucun cas, fait un souci avec. Hein. Voilà. Donc, voilà la présentation de l'album. Désolée d'avoir un petit peu pas cafouiller parce que bon, c'est pas du cafouillage, hein, mais c'est juste que ben, je n'ai pas l'autorisation de la personne avec qui j'étais de la mettre sur YouTube, donc j'espère que vous comprendrez. Ma tête, vous n'aurez pas besoin de la voir. Donc on va faire ensemble, on va regarder ensemble un petit peu quand je vais vous mettre cette vidéo. Bon, elle n'est pas très longue, hein, donc voilà. Donc là, vous avez des vidéos. Je sais plus combien il y a de parties à mon avis. Donc à mon avis ça sera le 7. Donc ça sera présentation, album, Disney. Voilà. Mais je fais juste la présentation hein. Je ne fais pas le tuto. Parce que si je commence à changer les photos à chaque fois, je vais pas m'en sortir. Donc là, on a des vidéos quand même assez longues. Enfin. Et je vous mens pas. Vous en avez quand même. Bah, attends, là, on est. On est là. Donc vous avez normalement eu celle-là. Vendredi, vous en avez une. Samedi, dimanche, vous en avez une. Oui, 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 oui. Mercredi, vendredi, dimanche. Mercredi, vendredi. Samedi. Parce que bah, là, c'est du samedi. Ici, vous en avez une du lundi, du mercredi et du samedi. Et après, mercredi, normalement, et samedi. Il y en a quand même de prévu. Hein. Voilà. Donc, on est ici. Oups, dans le bon sens, mes petits aristocrates. Voilà. De toute façon, je dois faire mes vidéos, mes publications. Voilà. Bon, j'espère que bah, la vidéo vous aura plu. Si pas, bah, tant pis. Hein. Je me prends pas la tête, vous savez, pour mes vidéos. Je le fais pour vous partager. Après, que ça plaît ou pas. Bah, ça plaît, c'est super. Ça plaît pas,
tant pis. C'est pas grave en soi. Je vais bientôt faire un. Je vais vous montrer aussi dans une prochaine vidéo, mais quand j'aurai ce que je dois avoir. Parce que je pense que je vais peut-être encore craquer. Ce qui me fait chier, c'est le prix. Vous verrez aussi dans une balle. Et je vous montre. Je vous montrerai à partir de ce moment-là. Et c'est vrai, je vous ai j'ai fait la tuto carte. Ah, il y a un tuto aussi, carte. À mon avis, je vais vous mettre un tuto le 3 avril. Tuto carte. Anniversaire. Je vais marquer jumelles, je sais ce que c'est. Voilà. Je l'avais oublié que j'avais fait un tuto. Donc voilà. Et vous, je vais essayer aussi de vous faire un petit tuto avec ces boîtes-ci. J'ai une petite idée. Mais faut que j'ai le temps. Et en plus, à partir d'aujourd'hui, oui, je pense que c'est cette semaine, ou de la semaine prochaine, je ferai encore plus d'heures le mardi. Mais moins d'heures le mercredi pour être avec ma choupinette. Je ne travaillerai plus l'après-midi. Je travaillerai que le matin. Donc c'est une bonne chose. Pour elle. Je ne vais pas encore annoncer parce que voilà, c'était pas encore con. J'ai pas eu encore la confirmation. Donc hein, j'aurais même pu mettre des tamponnages dans cet album. Bref. J'ai des tutos cartes de Pâques aussi à vous faire. Et c'est quand Pâques? C'est bien au mois d'avril Pâques. Dites-moi en commentaire, c'est quand Pâques? J'ai un trou de mémoire. Bah, je suis bête, j'ai un téléphone aussi. Oui, en même temps, c'est une vidéo présentation blabla. Hein. On va regarder ça. J'ai aussi ma collection de papier à commander. Là, j'ai eu ma taxe de roulage pour ma voiture. Parce qu'en Belgique, on a une taxe. Et en plus, vu que moi, c'est une voiture double carburant, eh ben, j'ai un malus. En plus. Merci la Belgique. Et en France, on ne l'a pas. Donc, je pense que je vais ma voiture en France. Bon, on n'a pas le droit. Hein. Sinon, on a une amende. Pâques. Pâques. 2023. Vendredi saint, c'est le 7 avril, le 30. Pâques, c'est le 9 avril. Je pense. Bon, enfin, ça me dit pas là le jour. Hein. Le 9 avril. Et je viens de voir un truc. Qu'est-ce que c'est Pâques? En quoi consiste la fête de Pâques? C'est le jour du Pacha. Le Pacha veut dire le dimanche de la résurrection. Mais après, il dit que c'est une fête religieuse, machin. Mais je ne connaissais pas le mot Pacha. Pourtant, j'ai fait mes études. Hein.
Oui. Bon, allez, je vais enlever mes pinces parce que j'attache mes cheveux quand même pour aller travailler parce que bah, si je mets mes cheveux dans ma grosse tignasse, non, je pense que j'ai pas beaucoup de cheveux, pas plus de cheveux que ça. J'ai des cheveux hein, quand même. Dans la tête de mes patients, ils vont pas trop être d'accord. Ils vont dire t'exagères, hein? Oh bah, j'ai pas fait exprès. Hein. Libby, elle a pas fait exprès. Alors, quand ils me voient y arriver avec un grand sourire, ils sont heureux. Alors, si je viens déprimer, ils sont pas contents. Mais alors, je leur ai dit je vais vous ramener une carte. Une carte de toi. J'ai enfin une moi, oui. Donc, j'ai déjà préparé mes petites bases de cartes. Il y en a qui aiment bien. Je vais utiliser ceux-là parce que bah, je sais pas quoi faire en fait avec. Au début, que ça a sorti, j'ai dit ah super! Sauf qu'après, bah, j'ai préparé les enveloppes. Je ne sais pas du tout quoi faire avec. Donc, j'ai or, bleu, rose gold et je pense que j'ai argenté. J'avais pris 4 paquets. Après, ils en ont ressorti. Je les prends plus. Hein. J'ai déjà du mal à utiliser ceux-là. Alors, imaginez les autres. Donc, à mon avis, ça sera en base de carte. Mettre un papier peut-être au milieu. Parce qu'ils sont assez larges. Donc un papier comme ça. Ou le faire comme ça. Hein. Ils mettent un papier plus petit. Ça pourrait le faire. De toute façon, je le ferai sûrement en vidéo de comment utiliser ces papiers-là. Ces cartes-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment. Si je le fais en vidéo ou pas. Donc, bah ça, je ne vais pas le laisser là parce que ça va tomber. Voilà. J'ai aussi des cartes à faire avec ces tampons-là. Des cartes ou autre chose. Hein. Je ne donnerai pas plus d'infos parce que après les tutos, ils vont vite aller sur YouTube. Bon, après, je m'en fous, je partage. Les choses que je ne veux pas. Les choses que je me dis que c'est voilà, c'est plus personnel ou autre. Je le montre pas spécialement. Donc là j'ai pas mal d'idées. Il faut que je les fasse. Comme je vous disais. Oui, comme je disais, j'ai hâte d'être au salon du scrap. Je voudrais aller à celui de Paris. Sauf que là, mon emploi du temps, il va. Voilà. Après, j'ai aussi une amie qui revient d'Espagne. J'aimerais bien la revoir parce que bah, l'Espagne, c'est pas à côté. Hein. Et elle, c'est dans le sud de l'Espagne. Donc, voilà. Et avec mon boulot, ça va être très compliqué d'aller en Espagne. À part pendant mes congés, mais bon. Elle va partir aussi en vacances. Donc, voilà. Là, elle revient dans. Du côté de Paris, j'aimerais y aller, mais ça va être aussi une course folle. Donc, je ne sais pas. Donc, si je commence à prendre toutes mes journées de congé, et en plus, je ne peux pas prendre la petite parce que bah, voilà, ça va être crapahuté entre les métros, les machins et tout, pour pas prendre la voiture et aller dans Paris. Ils sont trop bons. Je vous jure qu'ils sont bons. Je vous le fais pas sentir, hein, mais ils sont trop bons. Je sais vraiment pas où elle l'a acheté. Bref. Ça c'était la vidéo balle. Je ne sais même pas si vous l'aurez avant ou après celle-ci. Ça sera après. Avant celle-ci, parce que celle-ci, je vous la fais au mois d'avril et l'autre, elle sera début mars. Enfin, mi-mars. Qu'est-ce que j'allais dire? Bon, bref, je ne sais plus. J'ai perdu le fil. Non, pas la tête, pas encore. Après, je peux la chanter, hein, mais il va pleuvoir. Oh, ce matin, il y a neigé. Oh! Après, je m'en fous. On roule doucement et faut être prudent.
Si on est prudent, il faut partir à l'avance, pas au dernier moment, et être pressé, pressé, et risquer à te faire un accident. Donc, c'est pas le but. C'est pas le but, c'est pas le but, c'est pas le but. Donc voilà. Allez, sur ce, ben, je vous laisse. Moi, je vais aller me mettre en mode couchage. Aller faire un bisou à ma princesse. Parce que bon, elle est déjà dans son lit à cette heure-ci. Mais j'aime bien aller lui faire un petit bisou. Même si elle dort. Après, j'évite de trop. Mais au moins, elle l'a senti. Parce que si je vais pas, au matin, elle me fait. T'es pas venue? Ah bah non, je suis pas venue. Non. Vous voulez pas te réveiller? Bah, j'ai mal dormi. Et à chaque fois, elle me sort, celle-là. Donc, à mon avis, elle attend le bisou de maman. Et quand papa y rentre, bah, ça sera de suite, papa. Sur ce, je vous laisse. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!